Tout à fait. On quitte le domaine religieux pour entrer dans la nuit. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous n'êtes pas seul sur le plateau, vous êtes en compagnie de... Miss Cacharel, artiste confirmée. D'accord. Devant l'Éternel. Artiste confirmé devant l'Éternel. Planète des Stars célèbre les 1 an de carrière de l'artiste Cacharel. Oui, voilà. Cacharel, aujourd'hui, elle est dans le style coupé décalé. Elle n'a plus rien à prouver, comme on le dit. Elle est quittée dans une tournée dans la sous-région. Elle vient à peine d'arriver. Donc, la maison Planète des Stars a décidé de célébrer les 1 an de carrière de Cacharel, qui aujourd'hui, à travers ses chansons, arrive à donner beaucoup de joie à la jeunesse ivoirienne. Alors, pour ce jeudi 6 février, sur le coup de 20h, la maison Planète des Stars, qui est située à Yopougon rue Princesse, c'est un endroit où plusieurs personnes arrivent à se divertir à travers le restaurant qui a plusieurs spécialités. Bon, on parlera de la spécialité africaine et européenne. Voilà. Donc, pour ce jeudi, la maison Planète des Stars a décidé de faire honneur en célébrant les 1 an de carrière de Miss Cacharel. Donc, dans un premier temps, on tenait à inviter toute la population abidjanaise, surtout la jeunesse ivoirienne, à venir nous rejoindre durant cette soirée où il y aura beaucoup de bonnes choses à partager. D'accord. Ouais. Alors, Cacharel, oui. Vous donnez dans quel genre musical? Coupé décalé. J'imagine. Hein. Ouais. D'accord. Alors, donc, on va célébrer vos 1 an de carrière. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref bilan tout de même de votre carrière? Alors, merci à mes fans d'abord, merci aussi à ceux qui me soutiennent. Car Cacharel fait 1 an de plus, 1 an de carrière. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde, ce n'est pas facile ce métier-là. Ouais. Voilà, donc Cacharel fait 1 an de carrière. Elle invite tout le monde, ses fans, ses amis, ses patrons, ceux qui l'ont soutenu dès le début jusqu'au début. Mais le bilan, il est positif ou non? Dans un premier temps, ça va. Parce qu'on ne sait pas qui est Cacharel au Dieu. Cacharel est ici, donc ça va. D'accord. En tout cas, nous, on vous souhaite bon vent, hein, voilà. Que vous puissiez fêter encore de nombreuses années dans votre carrière. Alors, Makambo, vous n'êtes pas seul sur le plateau en face de vous. Le promoteur du spectacle, le patron même de cette structure, Walid Diaz, qui est accompagné par Chico, le Marocain. Bonjour à vous. D'accord. Alors, comment vous prévoyez ces 1 an de carrière de Cacharel? Ouais, 1 an de carrière de Cacharel, ça se prépare puisque je suis le producteur. Manager. Producteur manager de Cacharel. Déjà au bout d'un an, elle a fait beaucoup de voyages dans la sous-région. Mais on va dire que ça se passe bien. Ah, la très préparation, bien. Les préparatifs, tout se passe bien. Raison pour bien. Laquelle vous êtes sur le plateau. Voilà. Alors, on rappelle donc la date, le lieu. Oui, c'est ce jeudi. Ce jeudi 6 février, sur le coup de 20h, à Yopougon, précisément à la rue Princesse. À la rue Princesse. Voilà, un an, c'est pour permettre à Cacharel de dire merci à toutes ces personnes qui l'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci à vous, Makambo de Souza. Ouais. Oui, c'est vrai, j'allais oublier, allez-y. Oui, oui, le 08 74 77 28 ou le 46 02 83 82. Vous êtes invité, hein? Je suis invité, hein? Tout à fait. Vous êtes invité, hein? Franchement. Franchement. Merci beaucoup, Makambo de Souza, pour cette invitation exceptionnelle. Merci aussi à vous, Cacharel. Je rappelle, hein, Planète des Stars organise et célèbre les 1 an de carrière de l'artiste Cacharel. C'est ce jeudi 6 février à Yopougon, rue Princesse, à partir de 20h. 08 74 77 28. 46 02 83 82. Merci encore d'être venu. Merci. Monsieur Soumangourou Kanté, bonjour. Bonjour. Ça fait un bail. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Soirée Playboy, programme de la semaine du Lions Pub. Naturellement, avant de donner le déroulé concernant Lions Pub, bon de rappeler que nous sommes situés juste au complexe sportif d'Abobo et ouvert tous les jours du lundi au lundi. Et donc, concernant le programme de cette discothèque qui devrait la chronique ici en Côte d'Ivoire, nous commençons aujourd'hui, ce mercredi 5 février 2014, sur le coup de 20h, vous avez la soirée Playboy, où nous mettons en valeur des hommes fashion, des hommes qui savent s'habiller pour donner en tout cas des satisfactions aux amateurs de musique qui viennent visiter la boîte et montrer également à la clientèle qu'il va falloir s'habiller correctement parce qu'il ne faudrait pas seulement se fier aux femmes. Hein. Certes, les femmes s'habillent, mais les hommes également doivent s'identifier aussi en matière de style vestimentaire. Donc, cette soirée est spécialement dédiée aux hommes, mais les femmes sont invitées de venir voir comment est-ce que les hommes s'habillent aussi. Et donc, au cours de cette soirée, nous aurons la présentation officielle d'un single, le single de notre ami et collègue manager, Ismo Manager, qui est juste à côté de moi.
qui va présenter son nouveau bébé aujourd'hui à tous les amateurs de musique. Donc, il va falloir se déplacer pour venir applaudir ces deux compartiments que nous allons présenter ce soir à partir de 20h. Le jeudi, lancement officiel d'une nouvelle matinée baptisée la matinée magique, bien orchestrée par Monsieur Empereur Rabhi, qui est juste en face de moi. Et ça sera sur le coup des 16h, artiste invité, Pipi Lewis, son ami, qui forme une formation plutôt. Les concepteurs de Kutata qui reviennent avec un nouveau concept appelé Bébé laisse-toi aller, qui aujourd'hui est d'actualité, sollicité partout en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Et le vendredi, pour terminer le programme en beauté, vous aurez la soirée Prestige. Qui parle de prestige, parle également des hommes distingués, des hommes qui ont marqué, en tout cas, le Gotha du showbiz ici en Côte d'Ivoire. Nous leur donnons la part belle, de leur donner également des distinctions, des prix, pour leur dire merci pour le travail abattu, merci pour ce qu'ils font pour l'industrie musicale made in Côte d'Ivoire. Et donc, voici en quelques lignes le déroulé de Lions Pub. D'accord, on va juste arracher quelques mots aux artistes qui auront à faire des prestations. Ismo, c'est bien cela? Ismo Manager, le Yorobo des managers. Le Yorobo des managers, d'accord. Vous donnez, je suppose, aussi dans le coupé décalé? Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous promettez à vos fans? J'invite tout le monde à venir me soutenir. Mmh. Voilà. Et puis, j'aimerais dire que ce n'est pas la présentation de mon son, c'est la délicace de mon son. Remerciements. Nous sommes belle année aux personnes qui m'ont soutenu. Voilà. D'accord, donc rectificatif. Hein, bon, enfin, présentation dédicace. Bon, d'accord. C'est dans mais le même carnaval. Il m'a l'air tout de même autoritaire. Ouais, il veut forcément que ça soit dédicace. Bon, en communication, dédicace, d'accord. Présentation. De toute façon, vous allez vous entendre. Je présente quand même. Merci beaucoup. Alors, donc, le Lions Pub est situé à Abobo. Juste en face du complexe sportif d'Abobo. Mm-hmm. Et donc, ce soir, la soirée Playboy est suivie également de la dédicace de Ismo Manadia. Jeudi, lancement officiel de la matinée magique, orchestrée des mains de Empereur Rabhi. Et pour terminer, vendredi 7 février, vous avez la soirée Prestige, soirée des hommes forts, des hommes de valeur. Et donc, il va falloir se déplacer ce soir à partir de 20h. Venez, nous allons donner vie à vos envies. Merci encore, Soumangourou, d'être venu. Je rappelle, soirée Playboy, ne vous inquiétez pas, je suis déjà lancée. Le programme de la semaine, ce soir au Lions Pub, à Bobo, à partir de 21h. Numéro de téléphone? C'est ce que je voulais demander, que je n'ai pas ça. Oh, Soumangourou, on est en 2014. C'est vrai. D'accord, c'est pas bien grave. 02 12 16 18. 02 12 16 18 ou encore le 02 64 66 30. Quand c'est comme ça, généralement, c'est que Soumangourou a un autre tour à faire ici. Donc, il a tellement de gombo qu'il n'arrive pas à s'en sortir avec elle. Merci encore d'être Merci venu. Merci. Bonne journée à vous. Monsieur Koala Célestin, on se retrouve, directeur du logement et de la copropriété. Eh bien, vous êtes là pour le lancement de la deuxième phase de l'opération de présouscription aux logements sociaux. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, effectivement, depuis pratiquement deux semaines, nous avons annoncé aux Ivoiriens que la deuxième phase de la présouscription aux logements sociaux aura lieu jeudi, c'est-à-dire demain. Donc, cette cérémonie est placée sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et de M. le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, M. Mamadou Sanogo, et d'autres membres du gouvernement. Il s'agit donc aujourd'hui de réinviter les Ivoiriens à nouveau à venir massivement demain à cette manifestation qui aura lieu au CEFAL, le CEFAL qui est sur le boulevard Latry, derrière la direction des impôts. Et donc, il s'agira essentiellement, après avoir payé ses 30 000 francs à la BHCI ou à la CNCE, de revenir au CEFAL pour, n'est-ce pas, avoir une affectation chez un promoteur immobilier. Je rappelle aussi aux Ivoiriens que demain, les 38 promoteurs immobiliers auront des stands sur le site du CEFAL. Donc, ils auront l'occasion de voir en même temps, in situ, l'ensemble des plans qu'ils proposent, l'ensemble des programmes qu'ils proposent, le type de maison qu'ils proposent, d'échanger directement avec les 38 promoteurs et donc de pouvoir faire le tour, j'allais dire, de l'ensemble des stands pour faire leur choix. L'autre chose importante également que je tiens à préciser, c'est de rappeler aux Ivoiriens qui ont plus de 400 000 qui sont appelés également à souscrire massivement à l'opération, au moins pour les logements de standing et les terrains aménagés. Voilà, donc l'opération est ouverte aux nationaux, mais également aux étrangers pour les logements de standing. Il est bon également de rappeler aux Ivoiriens qui peuvent, en plus de la manifestation de demain, aller sur nos différents chantiers, aussi bien à l'intérieur du pays, dans les 31 chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire, mais également à Abidjan, à Bassam, à Benjerville et à Songon, pour voir eux-mêmes ce que c'est que les logements sociaux, ce que c'est qu'une maison sociale, ce que c'est qu'une maison économique de 12 millions ou de 15 millions, afin que leur choix soit beaucoup plus aisé
et beaucoup plus concret, on va dire. Mais est-ce que vous avez l'impression, depuis vos passages sur nos différents plateaux, que le message est perçu par la population? Oui, je pense pouvoir affirmer que le message est passé, puisque beaucoup d'Ivoiriens ont continué de téléphoner pour avoir d'autres détails. Ça, c'est et bon. Donc, voilà, je pense bon que. Aussi. Voilà, exactement. Je pense qu'ils ont, ils ont suivi. D'accord. Ils ont suivi, mais on les attend demain. Merci. On a des contacts? Oui, c'est le numéro du CEFAL, c'est le 22 41 82 83. 22 41 82 83. Ils peuvent donc appeler au CEFAL pour avoir de plus amples informations. Monsieur Koala Célestin, je rappelle, est directeur du logement et de la copropriété. Il était donc là pour parler du lancement de la deuxième phase de l'opération de présouscription aux logements sociaux. Ça a déjà démarré. Alors, pour plus d'informations, appelez bien sûr le 24. Le 22. Car, 22. Ah, autant pour moi. 22. 24, c'est où ça existe? Oui. Mais pas à Abidjan. Le 22 41 82 83. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup, madame. À vous je aussi. Vous en prie. Merci. JM Manaja est notre prochain invité. Bonjour JM. Bonjour Caroline. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec effectivement, un artiste. Je suis avec Tsunami, DJ, et Pupi Lewis, les créateurs même du Kuitata, aujourd'hui qui reviennent en force avec le nouveau concept appelé Bébé You, laisse-toi aller. Bébé You, laisse-toi aller. D'accord, donc c'est pour la célébration des 1 an de la matinée des stars. De la matinée des stars, qui est située où effectivement, le... Non, le bar, c'est le Caliente bar. Le bar, c'est Caliente bar. Et c'est, le programme Le programme, c'est la matinée des stars. Oui. Demain, jeudi, à partir de 20h, vraiment, il y a problème. Parce que normalement, ça fait 1 an que la matinée existe. Et c'est des choses qui ne se font pas partout dans les autres bars. Donc, on a décidé de célébrer ça avec les artistes du moment, qui sont Tsunami DJ et Pupi Lewis. C'est quoi la particularité du programme? Au fait, au programme, nous avons Capacité Manager et moi qui sommes à l'honneur. Et sans oublier ces personnes-là qui sont citées ici, Empire Epis, Karim l'intouchable, Petro Dola qui a 10 ans de boucan aujourd'hui, ce n'est pas un petit monsieur. Et sans oublier aujourd'hui aussi, au Caliente Bar, la célébration ou du moins l'investiture du président Albéric Bessero. Qui est non des moins dans la nuit du coupé décalé. D'accord, donc vous avez certainement un appel particulier à tout lancer à l'endroit de tous vos fans, Bien des sûr. Personnes qui vous regardent. Tout à fait. Ou au fait, clientèle. Au fait, le Caliente Bar est situé non loin de la pharmacie du Docui et tout le monde connaît le bar. C'est un bar aujourd'hui qui fait parler de lui sans même publicité. Donc je rappelle que on aura demain Pupi Lewis et Tsunami Didier. Qui seront les artistes invités. Pupi Lewis ici et Tsunami ici. Voilà, gauche. Tout à fait. D'accord. Et donc, c'est demain. Donc, on lance un appel solennel à tout le monde et que tout le monde vienne parce que la fête sera belle. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, je peux rappeler les contacts. Allez-y. Le 01 82 71 71. 01 82 71 57. C'est ça. JM Manager, merci encore. Tout à fait, merci Caroline. Un an de plus de la matinée des stars à Caliente Bar, eh bien, c'est prévu pour demain à partir de 20h. Appelez le 01 82 71 57 ou le 42 24 86 64. Encore d'autres invités, Charlie Créjus, j'ai pas écorché. Hein. Non, ça va. C'est ça. Oui. Live Days du Super Sonia. Oui, tout à fait. Le Super Sonia, le maquis de la commune. J'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis sur le plateau ce matin pour parler du live, des lives coupés décalés du Super Sonia. Voilà. Le maquis de la commune qui est situé à Yopougon. Désormais, tous les dimanches, nous faisons du live coupé décalé. Alors donc, je suis sur ce plateau pour parler de cela. Et pour ce dimanche 9 février, je suis avec Gigi Grec, l'esprit du scarabée. Et pour ce dimanche, je le disais tantôt, nous sommes avec Dino Marachi, le Opa des sports en Côte d'Ivoire. Quand on dit les morceaux sports en Côte d'Ivoire, c'est les morceaux qui font les éloges de nos bienfaiteurs. Donc, c'est avec lui ce dimanche que nous serons du côté du Super Sonia. D'accord, c'est quel genre musical? Eh ben, c'est le coupé décalé. Le coupé décalé. C'est le coupé décalé. Mais vous dites tous comme les concernés... si c'était véritablement évident, quoi. Non, tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui connaissent le coupé décalé savent que quand on parle des morceaux sport, ils savent de quoi on parle. Ah, d'accord. Oui, tous les adeptes du coupé décalé savent de quoi on parle quand on parle des morceaux sport. Mais la musique mondaine le fait bien aussi. Hein. Les morceaux sport. Les morceaux sport. Bon, oui, ben, c'est eux qui ont créé cela. Hein. C'est la musique mondaine qui a créé. D'accord, oui. D'accord. Je vous salue. Alors, donc, nos artistes seront là. Bien à cette sûr. Soirée pour égayer le public, pour égayer la clientèle. Oui. On rappelle le lieu. Oui.
C'est très important, vous avez dit Yopougon, mais où exactement? Ben vous savez, à Yopougon, je vous l'ai dit que le Super Sonia, c'est le maquis de la commune. Donc quand vous arrivez à Yopougon, vous dites, je vais au maquis de la commune. N'importe quel taxi va vous descendre au maquis, le Super Sonia. C'est le seul maquis à Yopougon qui porte ce nom, et c'est le seul maquis qu'on appelle le maquis de la commune. Donc tout le monde connaît, tout Abidjan connaît où se situe le Super Sonia. Eh bien, c'est ça le principe de cette émission. Chaque vente, c'est mérite. Merci à vous, Charlie Créjus, vous êtes sympathique d'être venu sur ce plateau Live Days du Super Sonia. C'est le dimanche 9 février 2014 à Yopougon, Niango, à partir de 14h. Les contacts? Les contacts sont les suivants, le 49 40 98 53 ou encore le 07 97 31 78. D'accord, merci encore. On vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous aussi. Bombastique est là sur le plateau, bonjour. Bonjour. Alors, lancement officiel du concert d'Espoir 2000. Voici un concert que je ne vais pas du tout rater. Le concert d'Espoir 2000, c'est un groupe que j'adore. Alors, on vous écoute, Bombastique. Voilà, quand on parle d'Espoir 2000, tout le monde sait, c'est une affaire de... C'est le meilleur qu'on, en matière de composition dans le milieu Zouglou. Donc, ce groupe, pour le lancement officiel de leur concert, cela va se passer ce soir au VIP à partir de 22h. Lancement officiel du concert d'Espoir 2000, spécial vente des tickets. Vous aurez le temps même de poser des questions au groupe. Vous aurez le temps de prendre des photos avec le groupe. Et je tenais à dire qu'ils ne sont pas seuls, puisqu'il y a le groupe le plus swag d'Europe, Bana C4. Ce groupe arrive ce soir à partir de 19h. Il y a Petit Miguelito qui est déjà là. Il est arrivé ce matin à 10h. Et tous ces artistes-là seront là ce soir au VIP à partir de 22h. C'est le lancement officiel du concert d'Espoir 2000. C'est à ne pas rater. C'est ce soir. Venez, vous allez prendre des photos avec ces artistes. Parce que Bana C4, Petit Miguelito, ce n'est pas les artistes qu'on voit comme ça, même Espoir 2000, parce qu'ils sont tout en tournée. Donc c'est le moment d'être présent ce soir. J'aime bien la solidarité qui existe entre les artistes ivoiriens. Ouais, un faiseur de coupé décalé qui a annoncé un concert dans le groupe Zouglou. Espoir 2000, c'est les grands frappistes. Ils ont commencé la musique, ils ont commencé la musique avant nous. Donc les tickets sont en vente. Les tickets seront en vente au VIP. Les tickets seront en vente. Donc tous ceux qui veulent les tickets, parce qu'ils n'ont pas encore commencé, mais ce soir nous allons lancer. La vente des tickets. D'accord. Voilà. Les contacts pour les informations. 08 40 90 09 40 50 60 99. Et je tenais à préciser qu'après le concert dimanche à la grande nuit des VIP, ces mêmes artistes seront en spectacle. Là, ils sont en spectacle. Merci pour le bonus. Je sens que vous allez encore retourner à la direction commerciale et marketing. Merci, Bombastique. Alors, lancement officiel du concert d'Espoir 2000, spécial vente des tickets. Donc, on va vous donner les informations. Vous appelez juste le 08 40 90 09 et le 40 50 60 99. Il va falloir rappeler la date du concert. Le concert, c'est le 8 février. Le 8 février. Voilà. Ah, d'accord. C'est le samedi qui vient. Le samedi prochain. Voilà, c'est le samedi prochain. Merci voilà. Encore. Merci beaucoup. Bédel est avec nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes là pour nous parler du programme du Fori. Ah ouais, yeah, yes. C'est comme ça que vous prononcez, je vous l'ai entendu dire. Ouais, ça me fait vraiment plaisir que vous prononciez ça avec beaucoup de passion. Voilà. Le Fori aujourd'hui, c'est la boîte de nuit par excellence qui fait tâche du lancement à Abidjan. Tout le monde en parle. Le Fori au plateau, chez Bédel, on dit c'est la boîte qui déchire. Oui, effectivement, ça déchire. Ça fait très fort en ce moment pour ceux qui n'ont pas encore vu cette boîte de nuit. C'est l'occasion pour vous ce soir de venir à la plus grosse soirée d'Abidjan, le mercredi qu'on appelle le jour du marché. Voilà, c'est ce soir, c'est ce mercredi soir. C'est la plus grosse soirée à Abidjan, jour du marché. C'est la soirée qui, bon, dans nos jardins, qui tape jamais poteau. Voilà, donc ce soir, le jour du marché va faire très fort, tout comme d'habitude. Et c'est tout le mercredi. Et le jeudi, vous avez les soirées R&B pop, voilà, pour tous la grande famille des HIP, HOP qui aiment le mouvement. R&B pop, voilà, comme les jeunes, c'était toi. Et le dimanche, vous avez les soirées
Les mini-concerts du Forum Forêt, voilà, tous les dimanches, on offre un artiste à nos clients pour leur remercier pour tout le soutien de la semaine. D'accord. Voilà, le Forum Forêt, c'est une boîte de nuit, je tiens à vous dire que c'est une boîte de nuit qui est très classe, mm-hmm. franchement. C'est pas une boîte de nuit de boucantier ou bien de travaillement, pour ceux qui pensent. C'est une boîte de nuit des jeunes cadres, voilà, qui se retrouvent. Il y a des personnalités mm-hmm. qui viennent dans cette boîte de nuit. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller, ils voient vraiment des... J'imagine avec voilà. Ton carnet d'adresse. Voilà. Le plateau, mm-hmm. tout ce qu'on était à l'école, on rêvait tous de travailler un jour au plateau. Et le plateau, c'est comme les Champs-Élysées en France, mm-hmm. tu vois. Le plateau, c'est mythe. Donc quand tu vas au plateau, tu as besoin d'avoir une tenue. Voilà. Quand tu vas au plateau, il faut que tu sois propre, tu sois chic, tu sois agréable, parce qu'il y a des personnalités aussi qui sont là-bas. Il y a des grandes femmes, il y a des grands messieurs, il faut que tout le monde se retrouve. Voilà, donc quand on vient au plateau, il faut se dire, quand tu vas au plateau, il faut que tu sois bien propre. Et ça doit être un réflexe. Voilà, ça doit être un réflexe. D'accord, donc c'est, on va dire, c'est déjà ce soir que vous voyez. Oui, c'est déjà ce soir, déjà on donne le rendez-vous. Voilà, mm-hmm. c'est, nous, on est ouvert du mercredi au dimanche. D'accord. Voilà, donc le mercredi, on ouvre le jour du marché. C'est la soirée où tout le monde se retrouve vraiment. Après deux jours, trois jours de travail, on se retrouve partagé vers ensemble. Donc c'est le et vous ouvrez tous les jours à partir de 23h? Non, on n'ouvre pas tous les jours, c'est du mercredi au dimanche. Non, je veux dire du mercredi au dimanche, voilà, c'est à partir de 23h. Voilà, à partir de 23h, quand on dit minuit, une heure, voilà, la soirée est déjà lancée. Donc, tenue correcte exigée. Les spectateurs qui veulent vous joindre, comment ils font? Voilà, le Forêt, c'est au plateau d'abord. C'est l'ex Blue Note, ex Bahamas, Pandora, pour ceux qui ont connu dans le temps. Vous pouvez nous joindre au 01 48 24 18. Ou soit au 08 99 39 88 ou le 01 48 78 61. Merci Fori beaucoup. Fori sur plateau. Merci. On se donne rendez-vous ce soir. Merci Bédel. Merci. Programme du Fori Fori. Ouais. Jour de marché ce soir. Donc, le nom te plaît bien, le Fori Fori. Au dimanche. c'est original. Ouais, ah ouais, du mercredi au dimanche. Oui, c'est la boîte de Jésus, mais ce n'est pas la boîte de Jésus, c'est la boîte de Bédel. Voilà. Bédel, merci beaucoup d'être venu. Sympathique Bédel. 01 48 24 18. Nous sommes en compagnie de deux dames. Elles étaient là hier. Eh bien, je vous explique, hein, c'est des sœurs. Malheureusement, elles se font la guéguerre, je ne dirais pas la guerre, parce que la petite sœur a décidé de sortir avec le mari de sa grande sœur, tout simplement parce qu'elle estime qu'il a de l'argent et ce serait vraiment inutile qu'il aille gaspiller cet argent ailleurs. Je ne sais pas si elle a raison ou si elle a tort, mais bon, Marie-Louise est là. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Alors. Mamie. Moi, je suis là pour dire à toutes les femmes, quand tu es mariée, tu es toujours dans les veillées de prière. C'est toi qui laisses ton mari pour aller te promener, je ne sais où. Qu'elles viennent demain, elles verront comment on gère leur mari quand elles ne sont pas là. Parce que ma grand-sœur, elle est tout le temps partie. Elle a son mari, elle me confie son mari. Elle est dans les veillées de prière. Quand je gêne, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Elle ne veut pas que je sorte de la maison. Son mari aussi ne sort pas de la maison. Mais comment on fait? Nous deux, on gère donc la maison. Vous êtes disponible? Mais bien sûr. Vous comblez le vide? Mais c'est ça. Ah d'accord. Ah, mais le vide, mais que je comble très bien d'ailleurs. Je ne sais pas de quoi elle se plaît. Mais comment vous arrivez à tenir? Dites-moi, Marie-Louise, mm-hmm. comment vous arrivez à tenir? Malgré tout ce qu'elle vous fait, vous êtes toujours ensemble, franchement. C'est un mal nécessaire, en fait. Mmh. Voilà, tu... Mmh. Ça veut dire que c'est comme un membre sur ton corps, tu as une oreille qui est mal... Tu n'arrives pas à t'en détacher. Voilà, tu ne sais pas comment faire et tu vis avec. En fait, c'est ça. Mais même parce que même ma mère, je ne peux pas la jeter. Hier, quand je suis passée ici pour donner l'information, il y a une petite qui m'a appelée. Elle dit, tonti, je prie pour vous, hein. Je prie pour vous. Ce que votre petite soeur fait là, c'est pas bien. Mais faut pas laisser ton mari à cause de ça, hein. Parce que mari, là, on gagne pas. Je prie pour vous. Elle n'avait pas compris que c'était du théâtre. Non. Mais parce que c'est tellement choquant. Mais c'est en plus, clair. C'est parti d'un fait réel. Bien sûr. Voilà. Et donc, véritablement, les gens qui comprennent se disent, attention, il y a quelque chose qui ne mm-hmm. va pas. Et le théâtre a ceci de spécial, ou même le cinéma, mm-hmm. c'est de pouvoir... vous transporter mm-hmm. À partir des faits qui sont vécus au quotidien mm-hmm. et comme nous les dénonçons, ça permet à chacun de revoir mm-hmm. un c'est peu. C'est comme un miroir. Voilà, absolument. Mm-hmm. Et nous voulons que ce théâtre-là puisse exister et résister bien à tout sûr. Courant, voilà.
Et nous sera voilà, par la grâce de Dieu. Oui, oui, j'ai vu même un spot tout à l'heure avant de venir. J'ai dit à Dieu merci. Peut-être que après, ce ne sera plus que des spots, ça va être une émission carrément, parce qu'on a plusieurs émissions de musique. Il y aura une émission de théâtre où véritablement après la représentation d'une pièce, on pourra faire une table ronde où on va échanger. Pourquoi pas? Donc le voilà, spectacle. Voilà, mais pour le spectacle, c'est oui, oui, le vendredi. Le vendredi, Makatu était là, malheureusement, Keïta ne lui a pas permis de venir. Voilà. Donc le vendredi à 20h, on va se retrouver à l'acoustique pour qu'on puisse se parler véritablement. Si parce que j'ai laissé mon homme sortir ou parce que je lui dis de rester à la maison, ça justifie sa relation avec ma petite sœur, on va échanger là-dessus et puis on va se mettre d'accord. Le ticket d'entrée, c'est 5 000 francs. J'insiste parce qu'il y a des affiches, des concerts qui sont à 15, à 10, à 20 000. L'acoustique, c'est un espace prestigieux. Mais nous, nous le faisons à 5 000 francs. Il n'y a que 200 places à l'acoustique. On ne veut pas faire de débordement. On insiste pour que les gens prennent les tickets maintenant. Les tickets sont disponibles à l'acoustique pour que vraiment ce vendredi, on puisse partager un bon moment ensemble. Merci. Merci beaucoup Marie-Louise, un mari pour deux sœurs, un spectacle théâtral à voir à l'acoustique ce vendredi à partir de 20h. Eh bien, pour toute information, veuillez appeler le 48 45 20 80. Je rappelle le contact, 48 45 20 80. Il y a un autre contact? Et le 01 11 26 55. Et je voudrais terminer juste pour dire que c'est un spectacle clé en main désormais. Donc, si des gens ont envie de nous avoir, ils peuvent nous appeler pour qu'on puisse égayer leur population. Merci et beaucoup de courage à vous, Marie-Louise. Merci beaucoup. Dibengue le Molard. Oui. C'est Dibengue ou Dibengue? Dibengue. Dibengue le Molard. Lancement du jour de marché décalé coupé au New Eyes. Voilà. Nous écoutons. Désormais, Dibengue le Molard. Arrobase Baton Gang, Charlie Corridor. Manaja, on vient s'installer un peu à Angré pour démontrer un peu la force de frappe des éléments de Yopougon. Mais tout en. Pour démontrer la force de frappe de... des hommes de Yopougon. Ah, d'accord. Des managers de Yopougon, des artistes de Yopougon. Mais tout en disant qu'on ne peut pas venir à Angré sans passer par un enfant d'Angré. Le New Ice Discothèque aujourd'hui a choisi Bébé Chouchou Salvador, le chouchou de tous les 10 jokers de la Côte d'Ivoire. Que d'accord. Tout le monde connaît très bien, à l'honneur ce soir au New Ice Discothèque à partir de 22h. Donc on est venu inviter la population d'Abidjan. D'accord. Voilà, venu alors, massivement à cette soirée, c'est le lancement du jour du marché décalé coupé, pas coupé décalé. Décalé coupé. Là on décale avant de couper. Voilà, on décale avant de couper. Donc Chouchou Bébé Salvador sera parmi nous ce soir. Donc, Chouchou Bébé Salvador, bonjour. Qu'est-ce que vous promettez à vos fans? Bon, je demande à tous mes fans de venir au New Eyes ce soir. Voilà. C'est une manière, moi aussi, de les souhaiter bonne année parce que depuis le début de l'année, je n'ai pas encore joué au New Eyes. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je dis à tous mes fans de venir s'amuser avec moi. Merci. On présente rapidement ceux qui vous accompagnent. Arrobase Bâton de Moïse, c'est lui-même qui divise la mer en deux. Ah. Le gouvernement Corridor, Charlie, manager. Voilà. Merci donc, beaucoup. Voilà, le donc, New Ice, on rappelle, il est situé à Angré. Voilà, Boulevard Latry. Boulevard Latry, voilà. D'accord. À partir de 22h, quand on dit 22h, c'est 22h. 22h. Voilà. Donc, les contacts? Il y a le 08 74 56 59, le 40 82 90 02. Il y a le 5, 09 autant pour moi. 40, 90, 10, 82, voilà. 90, 09. Madame le bâton. Madame le bâton de Moïse. Merci beaucoup, Dibeng le Molard. Lancement du jour de marché décalé coupé au New Ice ce soir à partir de 22h. Appelez le 57 53 83 75 ou le 40 82 90 09. Excellente journée à vous. Merci. Soumangourou, je vous l'avais dit, je le connais bien. Soumangourou est de retour. Alors, vous êtes là cette fois-ci pour parler de l'ouverture officielle du Maki Bar Moving. Naturellement. Et la situation géographique du Moving, c'est Yopougon, Toit Rouge juste au feu des sapeurs-pompiers. Ouverture officielle, c'est pour deux jours de folie, deux jours également de spectacle avec les meilleurs artistes en vogue. Bon de rappeler que la maison a été revue et corrigée par la direction générale, à savoir M. Diamant Rouge, qui a donné une autre manière de voir les choses dans le cadre de ce maquis. Vous avez l'impression de vous retrouver dans une discothèque, pourtant c'est un maquis. Vous avez des salons VIP,
habituellement, on a pour habitude de voir dans les maquis des chaises, mais spécialement pour ce maquis Move-In, c'est les salons VIP. Vous avez des jeux de lumière, vous avez des fumigènes, des pistes de danse également, pour permettre à tout un chacun de s'éclater. Ça, c'est ouvert. Mais pour se démarquer des autres, il a misé comme il se doit. Il a beaucoup travaillé avec son génie pour donner en tout cas une autre allure concernant cette maison. Et l'ouverture officielle va se tendre sur deux jours, les mercredis, mercredi 5, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi et jeudi. 6 février. Nous commençons ce soir sur le coup de 20h, mais je tiens à rappeler que tous les artistes que je vais citer tout à l'heure seront de la fête ce soir. Ils seront également de la fête demain jeudi pour permettre aux personnes qui ne pourront pas assister. Si la liste est longue, il va falloir la donner maintenant. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc vous aurez la collaboration des artistes d'actualité, entre autres DJ Léo, Shaggy Charouf, de Bordeaux d'Olisiana, Bébé Chou Salvador, qui est beaucoup sollicité aujourd'hui par les promoteurs des spectacles et même les tenanciers des bars Maquis. Il est juste à côté de moi. Bien sûr. Merci et vous aurez également de Bordeaux Likoufa, Lamine TPJ, Clébaï, Vital, Ouantier, Mario Salazar, Rossi Vegim. Voici ces artistes qui seront de la fête ce soir et également demain aussi sur le coup de 20h. Et puis, Soumangourou, vous n'êtes pas obligé de donner les contacts, hein, je les ferai pour vous. En fait, il y a un monsieur qui vous aime beaucoup. Je voudrais lui faire un clin d'œil. Nzagi le pétrolier, il dit, franchement, quand vous êtes à l'antenne... Il est heureux. Ouais. Et c'est l'objectif de la RTI. Merci. Il se retrouve. Merci beaucoup, Soumangourou. Ouverture officielle du Maquis Bar Move-In. Les 5 et 6 février 2014, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, à Yopougon, Toit Rouge, à partir de 20h. Appelez le 41 41 98 90 ou le 42 26 49 48. D'autres invités encore. En tout cas, nous avons beaucoup d'invités, de nombreux invités aujourd'hui et ça nous va droit au cœur. Noël Kims et Malik Esso, événement sportif cette fois-ci. Bonjour à vous. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Dieu merci, nous sommes encore sur ce plateau pour vous parler de la première édition de l'Adrenaline Marshall Challenge, Fist for Peace, qui veut tout simplement dire le point pour la paix. L'AMC est un concept événementiel de promotion sportive, de compétition multidisciplinaire d'arts martiaux, de sport de combat soumis aux règles internationales du pied-point. Ces règles sont conçues de manière à permettre des rencontres équilibrées entre pratiquants de différentes disciplines martiales qui impliquent un engagement extraordinaire, que ce soit au niveau physique, technique qu'émotionnelle, offrant au public un spectacle et un engouement avec des valeurs de dépassement de soi, d'humilité, de fair play, de cohésion sociale et de paix. C'est très intéressant. Voilà. Je vous avais dit la dernière fois que j'aimerais bien y participer. Là. Oui, tout à fait. D'accord. Vu que la Lady Self-Defense, ça veut dire l'autodéfense féminine, c'est ça. Cela fait partie également du programme dont nous en viendrons d'ici la fin de notre intervention. D'accord. Donc, dans l'optique de valoriser ses compétences sportives chargées d'adrénaline à travers une ligue professionnelle Sport Injection Entertainment, en collaboration avec l'association ivoirienne de kickboxing sous la tutelle du ministère des Sports et Loisirs de Côte d'Ivoire, vous invite à cet événement sportif de marque dénommé Adrenaline Marshall Challenge. D'accord. En contribution à la réconciliation nationale. Très vite, voilà, parce qu'on a vraiment plus de temps. Merci encore à vous. On rappelle la date, on rappelle le lieu. La date, l'AMC se déroulera sur deux jours, c'est-à-dire le 7 février, vendredi, à partir de 16h, à l'espace Triangle. Il y aura un mini-concert suivi de la PZ des Fighters. Cette partie sera ouverte au public. Maintenant, le jour J, qui est le samedi 8 février, de 16h à 19h, à l'espace Triangle encore, une salle climatisée extra cool, qui est sise au carrefour de la Riviera Palmeret, après barrage, en face de la première station service. Les billets sont sur réservation. Merci donc, encore. Merci beaucoup. Alors, si ça vous intéresse, appelez tout simplement le 21 015 826 ou le 45 25 19 18. Nous tenons, bonne journée à vous. Nous tenons, ça, c'est mon carton d'invitation. Merci, et aussi à l'autodéfense féminine. Il va falloir prévoir un autre carton pour Sarah Touré. Hein. Ok, ça marche. On fera cela. Merci beaucoup. Hier, on me disait, mais pourquoi tu as lancé comme ça Sarah Touré? On pensait voir sur ce plateau Claudicia. Je dis, mais non, vous ne connaissez pas Sarah Touré. C'est une artiste à part entière. Oh. Et je suis sûre qu'elle arrivera, elle ira très loin dans les métiers des médias. Amen. Bonjour à vous, Sarah. Tu sais, nous suivons tes traces. Oh là là, merci, j'en suis flattée. Comment vas-tu? Bonjour, chère amie. Bonjour. Je suis toujours contente de vous voir. Merci. Alors, on parle de la nouvelle grille de programme
de notre radio. De la seule radio qu'il faudra désormais écouter. Exactement. De la radio qui fait peur à toutes les radios actuellement. Vraiment. Sarah, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Alors, tu as raison. On arrête tout. Bonjour à tous. Fréquence 2 est là. Fréquence jeune. Entendez par là avoir l'esprit de victoire. La nouvelle grille a été lancée donc depuis ce lundi 3, je dirais, février 2014. Donc, pour le plus grand bonheur de nos auditeurs les plus fidèles. Alors, ce lundi-là, on a montré quand même à nos auditeurs qu'on a eu à faire quelques réaménagements pour leur plus grand bonheur, pour permettre donc l'épanouissement total. Alors, depuis ce lundi-là, Salut les potes a aussi reçu la visite de Soumbil. Donc voilà, c'était lui l'animateur. Et donc il avait reçu le groupe Les Révolutionnaires. Enfin, je ne dirais pas Révolutionnaires, les Mercenaires. Le groupe Révolution. Et Fitini, les Mercenaires. Voilà. Un nouveau groupe qui est peut-être en train de se préparer. Exactement. Aussi, alors c'était chaud, c'était fort. Il y a eu pas mal de personnes qui sont venues. En tout cas, merci à toutes ces personnes-là qui ont répondu oui à notre appel. Et donc mardi, hier, donc, on était là avec Abou Nidal qui a présenté donc Maki Fréquence 2 Coupé Décalé qui est normalement animé par Papous Kader, l'empereur premier. Et donc Abou Nidal était là, c'était chaud. Merci encore à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui, mercredi, Maki Fréquence 2 Zouglou est animé par notre très cher Eric Patron. Voilà. Voilà. Autant pour moi, hein, je souhaiterais rappeler que Maki Fréquence 2 Coupé Décalé est animé par Serge Willy Osso. Et Maki Fréquence 2 Zouglou par Papous Kader, l'empereur premier. Exactement. Le fils de l'industriel. Bien sûr, hein, pas celui qui vend les journaux. Et aujourd'hui, Eric Patron sera à la place technique, donc au pilote. Il sera le pilote de ce jour. Alors, on invite tout le monde à venir, c'est à 15h. À 15h, 17h. Eric Patron, juste un bonjour. Oui, un bonjour. Et puis, remercier la RTI, Fréquence 2, avec à sa tête pour cette nouvelle grille Didier Bléou. J'aimerais tout simplement dire que hier, les coupés décalés sont passés. Il paraît qu'ils ont lancé un défi. Mais elle a rappelé tout à l'heure que Soumbil a fait fort. Oui. Et on dit c'était chaud, mais c'est quand c'est chaud, c'est doux. Donc on verra aujourd'hui si vraiment le Zouglou confirme. Et donc à tout à l'heure, parce qu'il y a même Avi Lucien qui sera là. Merci encore à vous. Merci les beaucoup. Les acteurs aussi étaient là. Merci à Guy Kalou qui était là hier. Merci beaucoup Sarah, l'émission est terminée. Oui. Eh bien, je dis un grand merci à Kimi Morrison qui nous a habillés. Merci à toute l'équipe technique. Je rappelle que l'émission a été réalisée par Inge Santano, assistée de Christelle Akoussa. Moi, j'ai été assistée par Alix Kokola. Merci à Assane. India et à tous les cadres, toutes les personnes qui ont travaillé sur l'émission. On se retrouvera avec le même bonheur demain à partir de 11h30. D'ici là, suivez RTI 1, la chaîne qui rassemble. Au revoir.